Tenant, we one shot. If I toss. On était rendu à Hephaïstos. Prenez garde à vous. Ryan est agité. Occupons-nous de nos affaires. Il est temps de gagner la mise, de repartir les mains vides. Ryan a la clé génétique de Rapture. Si nous pouvons nous en emparer, à nous la belle vie. Sinon, notre histoire se termine ici. Maintenant, dirigez-vous vers le bureau de Ryan. Et descendez cette ordure, je vous prie. Il est temps d'en finir. Cohen a perdu l'âme. Si vous l'aviez connu quand il croyait encore à la lutte, au travail, il moisit aujourd'hui dans ce pays de cocagne en attendant que quelqu'un vienne lui dire qu'il a encore du talent. Je suppose que c'est pour cela qu'il vous a laissé la vie sauve. Il m'a laissé l'efficience, mais moi je lui ai pas laissé son. C'est bien, non? Ainsi la vie dans cette vie à chérir! Rejoignez vos démons! Je suis sûr qu'ils vous aideront! Je vais plus! J'ai passé l'après-midi à essayer de me rapprocher de la porte de Ryan sans me donner en spectacle. Mais il est sacrément bien protégé. C'est impossible d'entrer là-dedans. Tout ce que j'ai obtenu, c'est le regard effrayant des chromosomes de Ryan. C'est la récompense qui vous attend si vous essayez d'être plus malin que le meilleur ingénieur électricien de sa génération. Sanguinaire. Ah là par exemple. Ma clé à molette aime hyper de du Eve. Le ver de terre relève la tête et voit le visage de Dieu. Regardez autour de vous. C'est un vrai congrès de vers de terre ici. Ils avaient tous des parents, des proches.
proches qui les aimaient. Ils étaient mariés. Ils baisaient leurs épouses. Pourquoi pensez-vous que vous êtes différent? Je n'ai pas encore décidé où je vous accrocherai. Dites-moi si vous avez une préférence. J'ai dû me taper ce singe immonde pendant 3 semaines. Mais il a enfin parlé, et je sais comment arriver à Andrew Ryan. Il faut provoquer une surcharge sympathique dans le noyau harmonique numéro 3. C'est simple. Mais je n'ai pas la moindre idée de ce qu'est une surcharge sympathique, et encore moins ce noyau harmonique numéro 3. Ça doit être facile pour un ingénieur. Moi, je dessine des chaussures pour femmes. Dommage. Il faut que je retourne voir les mécanos au centre de contrôle de perte thermique pour voir ce que je peux en tirer. Une surcharge électrique. Tant de parasites ont essayé de profiter de ce qui n'était pas à eux. Je pourrais vous expliquer la science qui rend impossible ce que vous essayez de faire, mais ce serait comme de jouer du Mozart à un crapaud. De nos jeunes esprits. Qu'est-ce que ma ville vivra, elle prospérera. Et quand ce jour viendra, je prendrai votre pierre tombale pour paver ces rues. Ah bah ouais, comment ça peut m'aimer, t'as pas? Ok, fait que la surcharge, ça doit être ça là-bas. Moins de dégâts du froid et du gelé pour les mecs qui ont frappé avec la clé anglaise. Ah ben, c'est la même chose que ça. Quelle est la différence entre l'homme et le parasite? L'homme bâtit, le parasite demande où est ma part? L'homme crée, le parasite s'interroge. Que vont penser les voisins? L'homme invente, le parasite déclare « Attention, vous risquez de marcher sur les pieds de Dieu !» Ces misérables crozos m'ont envahi les maisons et pris d'assaut les fameuses barricades. Les morts pourrissent dans les rues et tous les citoyens font la queue pour avoir des plasmides. Tout est bon pour repousser la foule. Thank you.
tu fais? Lève-toi! Si vous n'assurez pas correctement la maintenance des protecteurs, ils consomment autant de R34 que les entraîneuses du jardin d'œufs consomment de pénicilline. J'ai les gorilles d'Atlas sur le dos sans arrêt, et deux mécanos sont morts cette semaine. Il faut qu'on arrive à contrôler les coups. Si je voulais avoir affaire à des amateurs, je serais resté à terre. C'est ça. Essayez de vous amuser avec mes appareils. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Oh my god. N'imaginez la volonté qu'il m'a fallu pour bâtir un tel endroit. Et vous, qu'avez-vous bâti? Rien. Vous ne savez que piller et briser. Vous n'êtes pas un homme. Vous êtes comme un termite à faire ça. Ah non, pas un autre.
les dégâts infligés avec la clé anglaise. C'est niveau 2. Aïe aïe aïe. La clé anglaise va donner trop fort. Au sujet de Kibourg, c'est des types qui font des longues études. Ils ont tous l'air si intelligents. Sauf que des fois, ils ne le sont pas. Je l'ai fait un peu picoler la semaine dernière. Et au bout de 2 minutes, il commence à me dire que le code de son bureau, c'est la date de l'Australia Day. Maintenant, toutes les semaines, j'y vais discrètement et je pique quelques billets dans la caisse. Il a jamais rien remarqué et c'est pas moi qui vais lui dire. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs bizarres là-bas. Peut-être qu'un jour, j'irai plus loin. Pablo Navajo, code des Kiburns. Ah, il brûle. On va rester un zoo. La cinglée qui est venue à la boutique aujourd'hui. Elle avait une sacrée paire de Robert, et drôlement bien sapée. Elle cachait bien son jeu, mais il n'y avait pas besoin d'avoir fait 15 ans d'études pour s'apercevoir qu'elle avait pris des trucs costauds. On m'a posé des questions sur les serrures magnétiques et ce genre de trucs. J'ai fait comme si de rien n'était, mais elle a fini par m'affranchir. Quand elle m'a tout déballé, je lui ai dit d'aller voir Kibourts aux ateliers. Ah, Rapture est devenue un enfer, mais la grande chaîne a parfois du bon. Chercher le centre de contrôle. Oh, les caméras. Avant
que le dernier rat ait fini de grignoter votre dernier lambeau de chair, j'ouvrirai le défilé. Qui est-ce ? Diront-ils en montrant du doigt la misérable forme accrochée à mon mur. Qui est-ce ? C'était moi. J'ai supplié Monsieur Ryan d'offrir Fontaine Futuristix aux hommes d'Atlas comme cadeau de paix, mais ce crétin n'a pas voulu entendre raison. Au lieu de ça, il injecte des plasmides de plus en plus puissants à ses acolytes. Il y a une course à l'armement ici, à Rapture. Mais il ne s'agit pas de savoir qui construira le plus gros canon ou la plus grosse bombe. C'est à qui passera le plus vite de l'état d'être humain à celui de monstre. Un homme bâtit une ville au fond de l'océan. C'est une merveille. Un autre homme s'écrase à bord d'un avion juste au-dessus de cette ville au beau milieu de l'océan. Là, il s'agirait davantage d'un miracle. Okay.
Ah ouais, l'arbalète, s'il vous plaît. L'arbalète, l'arbalète, l'arbalète. Merci. Bon, piégé, incendiaire, point de défi. Les hommes de Ryan sont en train d'emmener la jeune femme. Je suis sûr que c'est une espionne envoyée par Ryan pour me surveiller. Enfin, c'est ce que je crois. Si je me trompe, une innocente finira en trophée sur les murs de Ryan. Si j'ai raison, il faut que j'ai raison. L'appareil est prêt et presque terminé. Je ne peux pas me laisser aller maintenant, je ne dois pas. Bloquer les canalisations et tu devineras jamais d'où ça venait. Du marché champêtre à l'autre bout de Rapture. J'ai réparé et j'ai mis des joints neufs. Ouh, quel merdier. En tout cas, si t'as besoin de revenir ici pour la maintenance, le code est 0512. What? Ricky? Ah, ça c'est solide ça non? Ça c'était... Code de Kibourg. Je vais vous dire une chose au sujet de Kibourg, c'est les types qui font des longues études. Ils ont tous l'air si intelligents. Sauf que des fois, il commence à me dire que le code de son bureau, c'est la date de l'Australie. Et au bout de deux minutes, il commence à me dire que le code de son bureau, c'est la date de l'Australie AD. Maintenant, toutes les semaines, j'y vais discrètement et je pique quelques billets dans la caisse. Il a jamais rien remarqué et c'est pas moi qui vais lui dire. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs bizarres là-bas. Peut-être qu'un jour, j'irai plus loin. C'est quoi l'Australie AD? C'est quoi la date? Ça prend rapport. Non. L'Australienne. Moi, elle avait un nounours. Il y avait une sorte d'arbre fruitier qui tournait comme une pupille en versant du jus dans la gorge de Ryan. Et le jus étouffait cette ordure. Ce n'était pas vraiment un arbre, mais le noyau de contrôle. La machine qui alimente les serrures magnétiques de la porte de Ryan. On ne peut pas couper le courant. Il vient directement des cheminées volcaniques. Ryan a toujours du jus. Mais j'imagine qu'on pourrait noyer cette ordure dedans. Le boîtier est prêt. J'ai une charge de nitroglycérine dans mon bureau qui servira de catalyseur. Maintenant, il me faut 4 embouts de câble R34 pour neutraliser le circuit. Et une demi-boîte de précipité ionique. C'est ce qui fait détonner le mélange. Ça devra activer le mode compensation du noyau, faire baisser la puissance sur la ligne et déclencher le coupe-circuit de la porte de Ryan. Enfin, en théorie. Soit ça marchera comme sur des roulettes, soit la moitié de Rapture y passera. Qui ne risque rien. Une bombe IEM. Trouver l'appareil des câbles.
terminé. La bombe. Augmente le bonus de dégâts qu'on finit par la recherche. Wouah, sérieux? Ouah, ben je pense que la recherche justement est pas mal finie. Mes bonus de dégâts vont être rendus au pire. Bon, faut que je finisse sa bombe. Terminer la bombe. Trouver du précipité ionique. Trouver une charge de nitroglycérine. Trouver 4 faisceaux de câble. Ok. Allons-y, allons-y. Oh bah y'a déjà celui-ci. Les faisceaux au câble F34. L'Australiadé est écrit quelque part. Vous pensez pouvoir se cacher de sa lumière ici? Peut-être qu'il y a une pub ou quelque chose. Deux de quatre. Arrêtez! Je vous tuerai! Pas plus compliqué que ça. Oup! Et si, monnaie! Capote! Y a-t-il du sang dans les rues? Bien sûr. Certains ont-ils choisi de se détruire avec des injections irréfléchies? C'est indéniable. Mais je ne ferai aucune déclaration, je ne dicterai aucune loi. La grande chaîne se déroule lentement, mais avec sagesse. C'est notre impatience qui attire le parasite d'un état puissant. Et une fois qu'il a été attiré, il se nourrit sur le dos de la ville. Ça semble bien, j'en attends tout de suite. Qu'est-ce que je monte? Qu'est-ce que je monte? Ah, l'arbalète a l'air fort. Un instant de tension automatique réduit de manière importante les chances de casse des carreaux d'arbalète à l'impact. Augmentation des dégâts. J'ai demandé un goût de monter ça, ce serait. Ah ouais, c'est mon arbalète. C'est nice, c'est un petit engrenage. Okay.
Nice. Ça c'est sympa. Cadence de tir du pont. Wow. Ouais, j'ai vu. Oh mon dieu. Oh, c'est une belle petite place ici. Moi? Une meurtrière? C'est drôle. Je crois que j'aurais pu m'en sortir. Oublier avec les plasmides. Je croyais à cet endroit. J'avais foi en Ryan. Et quand les choses se sont gâtées... Ryan a cessé de croire en Rapture, cette grande chaîne dont il parlait. Il a cru au pouvoir. Maintenant, c'est le chaos. Ma fille est... partie. Pire encore, c'est une de ces choses. Suis-je vraiment une meurtrière? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Meurtrière? Wow, arc électrique, wow. Tabarnouche.
pays, c'est pas super. Ouais, ma fag. J'ai du piratage. Mission perforante pour mitrailleuse x20. C'est bon. Personnel de pistolet. Bon, le reste pas. Nice. Ben oui, c'est le dernier qui manquait. Let's go! Oui. Je vous la bombe. C'est une vraie bombe au moins. Il faudrait mieux. Vous devez le placer sur le noyau après le contrôle géothermique. Et nous verrons si ces gros malins savaient de quoi ils parlaient. Oh, sweet. Une bombe.
seront envie de reprendre ce quartier de Ramdir. C'est arrivé au tout début de la guerre. Je l'ai lu dans les journaux. Allez-y, je vais voir ce que je peux trouver pour vous aider. Je ne suis pas ingénieur, mais si j'en crois ces plans, vous pouvez canaliser le flot de magma avec la vanne de dérivation. Il fera bouillir l'eau rapidement, et vous pourrez accéder au noyau. Mais Ryan va certainement s'en apercevoir. Il serait bon d'établir un périmètre de sécurité, au cas où. Oui. Ces créatures, parviendront-elles à vous tuer? Moi-même, je l'ignore. Vous me poussez vers le gouffre, mais vous êtes entraîné avec moi. Je vous offre une mort rapide, parasite. Ce serait préférable à ce que vous apprendrez si vous gagnez. Moi? Une meurtrière? C'est drôle. Je crois que j'aurais pu m'en sortir. Oublié avec les plasmides. Je croyais à cet endroit. J'avais foi en Ryan. Quand les choses se sont gâtées, Ryan a cessé de croire en Rapture, cette grande chaîne dont il parlait. Oh, one ball. Maintenant, c'est le chaos. Ma fille est partie. Pire encore, bon, c'est une de personnel. Ces choses. Suis-je vraiment une meurtrière? Il n'y a qu'un seul moyen de savoir. De votre famille, de vos amis, de tout ce que vous avez aimé. Quoi? Vous aimez cet endroit sans savoir pourquoi. Vous ressentez une émotion sans pouvoir mettre le doigt dessus. Réfléchissez un instant. Le mot vous viendra peut-être à l'esprit. Nostalgie. Nostalgie.
Eh ben... De mensonges, on trouve parfois la vérité. Il y a une saison pour toutes choses. Maintenant que je vous vois chair contre chair, sang contre sang, je sais que je ne peux lever la main sur vous. Mais sachez ceci, vous êtes ma plus grande déception. Votre maître m'entend ? Atlas ! Vous pouvez me tuer, mais vous n'aurez jamais ma ville ! Ma force ne réside pas dans l'acier et le feu. C'est ce que vous autres, les parasites, ne comprendrez jamais. Une saison pour toute chose. Un temps pour vivre, un temps pour mourir. Un temps pour bâtir, un temps pour détruire. Oh boy. Venez, mon enfant, nous devons parler d'une dernière chose. Ce malade a déclenché l'autodestruction du noyau. Cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. Il a l'intention de détruire toute la ville. Entrez là-dedans et neutralisez-le avant que cet endroit ne finisse en mille morceaux. Initial de la vie de la chambre, client Ryan Industries. La phase 1 est terminée. Sinclair et Alexandre ont essayé de m'expliquer les détails scientifiques, mais Su Chang ne les croit pas. Il parle sans arrêt de reconstruction plasmide, d'enchevêtrement quantique, tout ça. Et soudain, pouf, les morts reviennent à la vie, fadaise. Bien sûr, Ryan ne l'autorise que si les tests sont calibrés sur ses fréquences génétiques. C'est ton chien. Il est très joli. Merci, papa Su Chang. Brise-lui le cou pour moi. Quoi ? Brise le cou de ton petit chien. Oh, non, pitié ! Brise le cou de ce petit chien, je te prie. Non ! Non ! C'est très bien. What the fuck ? Déploiement avancé, lot 111, docteur Su Chang, client Fontaine Futuristics. Le bébé a maintenant un an, il pèse 26 kilos. Sa musculature est celle d'un enfant de 19 ans en bonne santé. Et boy. Les résultats sont décevants, mais ne dépassent pas les seuils de tolérance. Jouer mes dernières défenses. Et il vient me chercher. En fin de compte, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'esclave ? L'argent ? Le pouvoir ? Non. L'homme choisit alors que l'esclave obéit. Vous pensez avoir des souvenirs ? Une ferme ? Une famille ? Un avion. Un
accident. Et puis cet endroit. Avez-vous vraiment une famille? L'avion s'est-il écrasé ou a-t-il été détourné? Il a été irrépressiblement attiré par une chose inférieure à l'homme. Une chose conçue pour rester en sommeil, jusqu'à ce qu'une simple phrase de son maître la réveille. A-t-on envoyé un homme pour me tuer? Ou un esclave? L'homme choisit, l'esclave obéit. Entrez. Arrêtez-vous. Je vous prie. Je vous prie. Une injonction pleine de politesse et pourtant irrépressible. Je vous prie. 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 Maintenant, dirigez-vous vers le bureau de Ryan et descendez cette ordure, je vous prie. Asseyez-vous. Je vous prie. Debout. Je vous prie. Assis. Debout. Couché. Stop. L'homme choisi. L'esclave obéit. Hauteur d'Olympie.
le refuge de Tenenbaum. Oh. Bienvenue à la maison, mon garçon. Ainsi tu es revenu. Tu en veux à Fontaine, ya? Maintenant tu connais la vérité. Il se sert de toi. Il t'a fait revenir à Rapture pour le sauver, lui. Tu as sauvé de nombreuses petites sœurs. J'ai une dette envers toi. Pendant que tu dors, je travaille sur toi. Ta psychopathologie, je l'ai inversée en partie. Fontaine n'a plus un contrôle total, mais il a peut-être encore le pouvoir de déclencher des choses très désagréables. Ton esprit, nous l'avons construit avec beaucoup de serrures et de clés. Fontaine possède la plupart de ces clés, mais pas toutes. J'ai conçu ton corps, mais c'est Souchong qui a créé ton esprit et a appris à Fontaine à le contrôler. Avec un peu de chance, tu le trouveras chez lui, dans les appartements Mercure. Eh ben... Damn! Je suis une création de Sith. Bon ben la suite, on va être dans une autre vidéo.